blague. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je trouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un haul parce que j'avais déjà récolté quelques trucs avant de faire ma pause. Et en fait je me suis rappelé que j'avais toujours trop de trucs à vous montrer. Et puis c'est encore des trucs que vous pouvez retrouver maintenant je pense. Donc voilà, c'est des choses que j'ai achetées en plusieurs parties. Donc je vais faire par magasin parce que il y a deux magasins où j'ai acheté pas mal de trucs, enfin un surtout. J'ai commencé par les magasins où j'ai acheté qu'une seule chose. J'ai acheté un livre parce que en fait j'en avais entendu parler et j'avais envie de lire, de voir ce que c'était. Donc c'est le livre 3 mètres au-dessus du ciel. C'est un livre espagnol je crois. Donc c'est une histoire d'amour, voilà, comme d'habitude. Moi je lis et je regarde des films quasiment où il n'y a que des histoires d'amour. Non, tais-toi, non, tais-toi, non, 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 ah. Je vais filmer mon petit. Il y a un film aussi là-dessus mais je sais plus c'est quoi le titre. Donc voilà. C'est pas un truc que j'ai acheté, c'est un truc que j'ai reçu. Donc c'est l'exfoliant fait des lèvres de chez Lush. Donc c'est l'exfoliant au bubblegum. Donc je l'ai assez entamé encore. Il est super efficace, ils sont trop bons. Il est bon même, vous pouvez le manger comme ça genre. Voilà. Au début il assèche pire beaucoup les lèvres quand vous essuyez et tout. Mais après avec un baume lèvres et le lendemain vous avez des lèvres tout douces. J'ai acheté un top pull, je sais plus qui. Donc c'est un pull comme ceci. Donc c'est un pull mais il est assez fin donc... peut le mettre en toute saison je pense. En dessous il y a un autre tissu noir comme ça et là c'est un peu ouvert. J'ai acheté un cardigan, gilet, comme vous voulez chez Bershka. Donc c'est un gilet tout simple bordeaux avec les longues manches, tout ça. Il arrive, il vous couvre un peu les fesses je crois. Ouais, et puis il est super confortable, il est super doux. Vous mettez ça avec un débardeur en dessous, c'est bon, vous êtes armé là. Ensuite j'ai acheté mon premier vêtement de chez Zara. Je voulais tester les pantalons parce que tout le monde est là, ah les pantalons de chez Zara c'est les meilleurs, blablabla. Donc j'ai acheté un jegging parce que c'est un petit pantalon mais c'est plus un leggings on va dire. Enfin il y a des poches et tout mais voilà. Un jean taille haute, donc bleu marine assez foncé quand même. Et il est assez court, enfin il est trop petit pour moi. Mais vu que je retrousse souvent mes pantalons, celui-là j'ai pas besoin de le retrousser. On va passer chez Zebra. Donc je sais que vous avez pas ce magasin en France, mais je montre pour les Suisses ou comme ça. Ou si tout d'un coup il se ramène en France comme Taliwell. Mais j'ai acheté une robe. Donc ça c'était plutôt parce que j'avais envie, parce que j'en avais pas vraiment besoin. Mais je la trouvais assez jolie. Donc c'est une robe comme ça, brune. Brune, bronze, noir, enfin, pff, voilà. Comme ceci. Les manches comme ça. Elle arrive mi-cuisse, au-dessus des genoux, à peu près. Et vous avez la fermeture éclair derrière. Et là, elle est ouverte de côté. J'ai aussi acheté deux pantalons, mais il y en a un qui est à laver. C'est genre un pantalon, genre l'espèce de leggings, mais devant, en fait, c'est en cuir. Et il y a de fermeture éclair. Et le deuxième, c'est un pantalon que vous pouvez trouver partout. C'est ce genre de pantalon super à la mode. Enfin super à la mode, ils étaient à la mode à un moment. C'est les pantalons un peu style délavé, genre noir, gris, genre bizarre. Et il est pire confortable. Oh, genre de ouf. Genre c'est pas un leggings, mais il est aussi confortable qu'un leggings. Enfin c'est genre, c'est juste, il est trop confortable. J'ai ma veste donc d'hiver. C'est The Vest que c'était à la mode je crois l'hiver passé. Parce que cet hiver c'est plutôt les manteaux. Mais l'hiver passé c'était à la mode. Mais j'aimais trop et je voulais trop une veste comme ça. Mais je n'avais pas eu. Donc c'est les vestes voilà. Des vestes kaki, manches noires. Et puis fourrées dedans. Voilà, je crois que vous connaissez tout ça. Donc c'est pas forcément un zébra. Ça se trouve un peu partout. Donc voilà, elle est toute simple. Elle arrive, elle vous couvre totalement les fesses, c'est ça que j'aime bien parce qu'elle est assez longue. Et j'ai encore un truc, donc c'est ma coque d'iPhone. Maintenant, je l'ai personnalisée pour les Suisses qui habitent à Lausanne. Parce que je sais pas si c'est installé autre part. À Métropole 2000, il y a un nouveau magasin qui s'est mis à côté de
Staliwell. Il s'appelle The Case. Donc je sais pas si ça existe en France, ça existe autre part en Suisse, j'en sais rien du tout. Bon, c'est assez cher, c'est 50 francs. Donc 50 euros, vu que ça a augmenté, ça vaut le coup parce que la qualité est super bien, c'est fait en 15 minutes. Vous envoyez juste votre photo sur place, vous envoyez la photo par mail et ils vous l'impriment en 15 minutes. J'ai imprimé une coque et j'ai mis une photo de moi et de mon copain. Bon, ça fait le super cliché. Oh mon dieu, tu fais une coque avec ta copain. J'avais trop envie et je l'aime trop. Genre, cette photo, genre, c'est pas une des premières photos qu'on a prises, mais c'est une photo qu'on a prise, genre qu'on aime tout. On aime trop, on la met partout. Je l'aime trop cette photo, donc j'aime trop cette coque et puis voilà. Au passage, si vous voulez un rating on my iPhone, mettez le moi en commentaire. Je crois que j'avais déjà demandé ça. C'est pas grave, je vous ferai peut-être pour la prochaine vidéo sûrement, parce que là je l'ai tout personnalisé comme je veux et tout. Et voilà. Il y a juste un dernier truc chez Taliwell, j'ai cru que c'était H&M, je sais pas pourquoi. J'ai acheté une robe. Une robe sublime. J'ai vu sur le mannequin, j'étais là. Elle est où? Et je me suis dit, bon, je vais l'essayer, ça va me faire du mal et tout. Surtout qu'elle était 70 francs, ça fait un peu mal au cul. Mais bon, elle est comme ça. Le haut, il est tout simple et tout. Elle est assez moulante quand même. Derrière, c'est en dentelle, comme ça. Et voilà. C'est une robe longue et j'avais jamais eu de robe longue. Et genre, celle-là, elle est sublime. Donc maintenant, je vais passer à H&M. C'est où j'ai acheté le plus de trucs. Le premier truc que j'ai, c'est ceci. Donc, c'est ce pull tout simple. Genre, les manches, elles sont pas longues. Voilà, c'est tout simple. Il est rayé noir sur blanc. Voilà. Ensuite, j'ai acheté mon écharpe. Genre, la best des best. Genre, je l'aime trop. Elle est toute douce. Donc, c'est une écharpe comme ça. Et je l'aime trop parce qu'elle est toute douce. Et elle tient super. Super chaud. Ensuite j'ai encore un pull et après ce sera un peu des accessoires tout ça. Donc j'ai ce pull, celui-là je suis sûre qu'il est en magasin parce que j'ai pas acheté il y a du tout longtemps. Donc il est gris, il est un peu resserré au bord et là il y a des roses là, sur les manches aussi, il y a des roses et tout. Et les manches sont trois quarts aussi, enfin vous pouvez les mettre comme longue manche mais j'aime pas du tout. Je me suis enfin acheter des longues chaussettes. Donc je voulais trop ça. Genre pour mettre soit avec des shorts, soit avec des jupes. Ensuite j'ai un sac. Il est discontinué. Enfin ils le vendent plus, ils en commandent plus. En tout cas en Suisse, après en France je sais pas. C'est ce sac là. Alors c'est un sac que j'avais mis dans ma wishlist. Que j'attendais que mon anniversaire, Noël, tout ça passe pour savoir si les gens allaient me l'acheter ou pas. Et on me l'a pas acheté. Et après je le trouvais de nulle part. Donc faut savoir que dès que je vais acheter un truc... je le vois partout quand j'ai pas l'argent, mais dès que j'ai l'argent pour l'acheter, il disparaît. Donc je le trouvais nulle part, nulle part, nulle part. Et je sais pas comment il a fait, mais mon copain est un magicien. Il est allé H&M, à H&M, au bol, et il l'a trouvé. Et donc c'est mon cadeau de Saint-Valentin, un peu, voilà. Et je l'aime trop parce qu'il est pire quand et tout. Bon, dedans j'ai mes affaires de cours, et il y a vraiment tout qui rentre. Par contre, il y a deux fermetures éclair là. Par contre, il se ferme pas en entier, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Il y a une bandoulière aussi, et voilà. Et c'est les sacs basiques de chez H&M, quoi. Les espèces de mal de médecin noir. Mais j'aime trop. J'ai encore trois accessoires. Donc, premier, c'est une coque. Alors, ça, c'est le jour même où j'ai eu mon iPhone. Je suis allée l'acheter parce que j'avais peur que, vu que moi je suis un danger ambulant avec les téléphones, j'avais peur de le casser, donc j'ai pris au cas où une coque et je l'aime trop. J'ai vu encore personne avec, ce qui m'étonne parce que c'est une coque H&M et tout le monde a des coques H&M, mais bon. Voilà, donc ça a des roses comme ça noires et elle est trop trop belle. J'ai acheté deux colliers, donc c'est avec des roses pâles comme ça, rose, un peu un vieux rose bizarre. Et la chaîne est dorée et elle est tout simple mais il fait tout de suite son effet et il est trop 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 joli. Et le deuxième, ça aussi ça m'est arrivé la même chose, genre j'avais jamais l'argent, je le voyais tout le temps. Et dès que je voulais l'acheter, bim, il avait disparu. J'étais là, ok c'est bon, I'm done with this shit. Et donc il était dans un autre H&M. Donc il est genre sublime, ce collier est sublime. Genre vous pouvez faire plus sublime que ça, je crois pas. Genre je suis tombée amoureuse de ce collier, c'est un espèce... Enfin, moi il me fait penser à un oiseau. Je sais pas pourquoi et tout. Voilà. Donc je crois qu'ils l'ont recommandé. Je crois donc qu'il est sublime. Il est hyper gros. Mais avec un pull à longue manche noir, tout simple. Et ça dessus.
magnifique. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner toutes vos idées de vidéos en commentaire, je les ferai avec plaisir. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je vous vois à toutes et à tous, de gros gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.